Mon plus gros instant somme, c'est en 2010, à la Coupe du Monde, évidemment. Une équipe africaine, enfin, peut se qualifier pour une demi-finale historique. On est tous fous. C'est tout ce qui s'est passé avec la France, donc on a tous abandonné. Notre équipe de cœur, à ce moment-là, c'est le Ghana. On est tous là. United Colour of Benetton, c'est fou, c'est génial. Mais on est tous à fond pour l'Afrique. Pour le Ghana, les derniers représentants de l'Afrique, on est à fond dedans. On n'a aucune haine contre l'Uruguay, en tout cas à ce moment-là, enfin au début du match. On est bien, mais on veut que le Ghana l'emporte. Plein d'occasions de part et d'autre, Asamoah Gyan qui rate des trucs de fou, Suarez qui rate des trucs de malade. Toute fin de prolongation, là, la tension est mais à son paroxysme, on n'en peut plus. On est complètement dingue, on se dit enfin, on va aller au tir au but et enfin ça va marcher. Et là, cafouillage dans la surface. Je ne sais plus quel joueur du Ghana frappe au but. Suarez est tout seul dans les buts à ce moment-là. Et il met ses deux mains comme ça, là. Pansel takes it. Boateng with a flick on. Muslera's lost it. Appiah off the line, incredibly. Off the crossbar. Now the linesman on the near side is flagging. It's a handball. I think it's a handball. Linesman sees something. It's a red card. Must be a handball. Must be a penalty. La main de Dieu, la main de Maradona, elle est dégueulasse, mais elle a un peu de classe. Ok, mais celle-là, elle est dégueulasse. Les deux mains comme ça. Et puis, bon, normal, il se prend un rouge. Hein. Il vient d'anéantir les espoirs de tout un peuple. On était tous à fond. Et il se permet de contester une décision, mais qui n'aime pas. Mais il aurait dû tout de suite partir, sortir du terrain et voilà. Non, il sort après 2-3 minutes de tergiversation avec l'arbitre. Truc hyper indécent. Déjà là, on le hait déjà. Il reste un peu là sur le bord du terrain, il veut pas vraiment sortir, il veut voir absolument le pénalty qui va être frappé donc par Asamoah Gyan. Il veut absolument le voir, on est pour qu'Asamoah Gyan mette ce but. Le plus simple reste à faire, mais il y a tellement eu une injustice énorme avec ses deux mains là que on a peur, on y croit moyen. Et Asamoah Gyan complètement à l'ouest, la met au-dessus de la transversale. Oh, the crossbar and over. The moment was just too big for him. Horrible, et la caméra à ce moment-là pointe sur Suarez, donc qui est à la sortie du couloir, machin, et qui exulte. Et je vous jure qu'à cet instant-là, j'ai jamais autant détesté un joueur de foot. Et je déteste ce joueur, voilà. C'est mon plus gros instant somme. Et il est pour Suarez. Je t'en Suarez. Seul.